Jason, vous n'avez pas donné beaucoup de nouvelles. Je pensais que vous alliez quitter l'île. Non. Je reste là. Sans moi. Cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141. On décolle ce soir. C'était bien de bosser avec vous. Merci. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Difficile. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent. Il est encore en vie. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller? Je survole l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie. Je peux vous déposer. Je vous envoie les coordonnées. Parfait. J'y serai. L'avion décolle dans quelques minutes. Avec ou sans vous? Ah bah, c'est sympa de sa part. Ça, c'est sympa de sa part. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous êtes tous très bien. Ah oui, on n'a pas le temps. Ah oui, d'accord, on y va direct sur les chapeaux de roue. Nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 3. On va aller rejoindre Willis. On va essayer d'aller au plus vite. Alors regardez bien, ça va aller très vite. Moi, je prends les raccourcis les plus farfelus qui existent. Bon, moi, je suis sûr d'arriver à temps. Parce que l'avion, il va décoller, il va partir. Il a un problème avec la Russie. Et c'est marrant, hein. C'est marrant comment, depuis toujours, les services secrets font des dingueries, hein. Là, je vais avoir un problème. Là, je vais avoir un problème, messieurs, dames. Alors, j'en profite pour temporiser. Eh oui, tu vois, il faut que j'aille là. Oh, la vache. Je peux pas faire le tour. Faut que je fasse demi-tour. Faut que je passe par là. J'ai pas le choix. Quelle angoisse. Eh oui, j'ai pris un faux raccourci. Ce raccourci m'a fait perdre trop de temps. Enfin, en tout cas, m'en a pas fait gagner. Bon, j'espère que vous êtes au taquet, que vous êtes en forme, que vous êtes chaud, que vous êtes prêt pour cet épisode incroyable. Puisque c'est un tournant dans l'aventure. Même si je suis un peu triste et déçu. Des choix qui ont été pris. C'est comme ça, c'est la vie. Et il va falloir faire avec. Mon quad est en feu. Je ne suis pas sûr d'arriver en entier à destination. J'ai peur. J'espère que vous allez mettre un like. Ce serait sympa de votre part. Je suis dans la sauce. Je vais prendre un raccourci. Regardez bien. Voilà. Hop. Hop. Yes. Voilà. Eh ben, le quad fonctionne encore. J'ai de la chance. Ah là là, c'est pas facile facile, hein. C'est pas facile facile, hein. Allez, à la piste d'atterrissage. Tu crois que je fais quoi là? Tu crois que je fais quoi, mon ami? Je crois que j'arrive à temps. Jason, c'est Alamo ici. Les pirates m'ont encerclé, venez vite. Oh merde. Pirates. Heureusement, j'ai récupéré mon équipement fétiche. Allez. Ça dégage. Hop. Toi t'es mort. Hein? Non mais frère, ça vient de tous les côtés, là j'ai rien compris. Là. Là. Oh. On se détend. Voilà, s'il vous plaît. Pourquoi lui ont bousillé les ailes? Il faut que je répare ça. Ok. Bah. Répare donc. Excusez-moi pour ce bug, j'ai pas compris. On risque de se refaire attaquer, je pense, c'est ça? Vas-y, on prend ton temps. Eh, il sait tout faire cet homme, hein. Regardez-le. Hein. Ah! Viens voir! Yalla! Voilà, bébé! Ouais, je fais que ça. Je vais avoir un problème de contre-jour là. Putain, je vois rien dans le viseur. Hop! Ah, ils sont vraiment nuls, hein. Y a du monde là. Hop, ça dégage. What? Arrête, c'est non, non, ça c'est non. J'ai foiré ma molotov, quoi. Sérieusement. Bon alors. Ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi l'équipe? J'ai plus de mun. Eh bien voilà. Voilà, voilà. Allez, là c'est ridicule, là c'est ridicule, arrête. Là c'est ridicule. Vraiment, mais fume-le. C'est ridicule les coups de couteau dans le vide. Je ne comprends pas. Non, attends, c'est... t'inquiète. Heureusement, toujours avoir un RPG sur soi. Voilà, protéger Willis. J'ai plus de mun donc
J'ai fait que la moitié, ouais, j'ai compris. Je vais récupérer. Non, mais je vais récupérer l'AK. En fait, faut vraiment toujours avoir une AK sur soi. Hein. J'ai bien compris. Hein. Pour être tranquille, il n'y a pas le choix, quoi. C'est le prix de la tranquillité. Eh, attendez, il y a un trésor là. Hop. Formidable. Bon, bah, j'ai le temps de fouiller les. Les conteneurs, visiblement. Les cadavres, pardon. J'ai plus parlé. Alors, ça va être très pénible. Excusez-moi. Mort. Voilà, messieurs, dames. À la one again. Oh là là, c'est tellement bon. Tellement jouissif. Merci. Merci. Bon, on est pas mal là, non? Niveau réparation. Oh, t'es chiant. Ouais, mais j'avais même pas vu qu'il y avait qu'il y avait de quoi s'amuser. Très bien. Nouvelle vague d'ennemis. Attendez, on va se faire ça comme ça. Regarde bien. Hop, la collate. Oh, c'est chiant. Voilà. On va prendre le temps de recharger au cas où. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Un problème? Tu vois, il y a un autre mastodonte qui arrive. Il y a plusieurs mastodontes même. Ça, ça va être la galère. Ok. Allez! Ok, c'est de la merde. Bon, je peux pas interagir. Allez, hop. Voilà. Jason. Montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Ou les rires changent d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant de l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci! Montez! Montez, je vous dis! Oh! Oui, avant que j'oublie, mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh oui! Je vais bientôt sortir de ce trou! Que veux-tu dire par là? Demande le Caterpillar Sterni, la chenille d'un ton sévère. Je crains bien de ne pouvoir pas expliquer, dit Alice, car voyez-vous, je ne suis plus moi-même. Je ne vois pas du tout, répondit la chenille. Je vais pas dormir cette nuit, ça me fait extrêmement peur, c'est vocal. C'est là que je vous drape. Il vous reste qu'à vous envoler. Oh, la classe. Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit. Bras et jambes tendues et ça ira tout seul. Bonne chance pour la Russie. Un patriote reste un patriote. Ah, il est bon, hein. Ah, ça rappelle les souvenirs, hein. Le wingsuit? Merci. Let's go. Eh, ça rappelle les souvenirs, hein. Incroyable. Tu m'étonnes. J'aimerais juste vérifier. Est-ce qu'il y a un truc pour atterrir? Non, d'accord. Ah si, le parachute. J'ai bien fait d'avoir regardé. Voilà. Ça rappelle les souvenirs quand même.
Le saut en parachute qui a mal tourné. Hop. Magnifique. C'était l'enfer. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Si ce Sam existe vraiment. Ouais, ça se trouve, il m'a envoyé dans un bourbier. Hein. Contrôle du parachute. Très bien. Regardons où nous sommes. Nous sommes là. Et en plus, on a un TP rapide ici. C'est incroyable. Très bien. Ok, bon, le coup de l'avion, c'était vraiment pas nécessaire pour le coup, mais c'était juste pour le style. Hein. Très sympa. Allez. Ok. Ça va pas... ça va être facile. J'adore. Est-ce que... Oui, j'ai toujours mon sniper. Ouais, du coup, j'ai l'AK-47, c'est chiant, du coup. Ouais, bon, bah voilà, après... Et regardez, ça va aller très vite. Voilà. Ah, ils ont abattu le... Ah non, c'est bon. C'est bon. Ils sont occupés. Parfait. Le coup du jaguar, c'était bien joué de ma part. Voilà. Ils sont tous morts. Magnifique. Et d'ailleurs, le jaguar... Hop. Merci à toi. Ah, merde. Dommage. Attendez, là, on est safe. Viens voir, frérot. C'est pas contre toi, hein, mais c'est pour éviter que tu me fasses du mal. Hein. Et puis, éventuellement, pour récupérer... Bah ta peau en fait, accessoirement. Eh, faut vraiment qu'on chasse du requin hein, par contre, hein. Ce serait génial. Hein. Ce serait génial. Hop, on va prendre bien notre temps les amis pour bien fouiller les corps. Eh. On est chill, j'ai cru voir un truc me foncer dessus. Je suis absolument parano. Je suis manipulé par un autre. Je ne suis pas si différent des autres. Voilà, un petit peu de calme avant la tempête hein, de nouveau. Ça fait toujours plaisir et puis surtout on récupère des thunes. Et les thunes c'est cool. Bah oui. Allez. Ça c'est fait. Et on continue. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tuer tous ces gens là pour au final continuer d'avancer, je ne sais pas. Mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons. Bon ben voilà. On avance, on s'élance. Comment elle s'appelle de nouveau celle qui chante ça? On avance, on s'élance. Ça s'appelle pas Zao? Trouvez Sam au bar, le crazy cock. Qui veut dire la bite folle hein, bien évidemment. Mais c'est vrai en plus, c'est que ça veut dire ça. C'est quand même des humoristes hein, sur Far Cry 3 hein, faut pas l'oublier. Oh. Oh, ouais, bah c'est bien ce que je dis. C'est le crazy cop, quoi. La bite folle. Mais est-ce que c'est safe ou c'est... Oh, mais c'est safe ou c'est pas safe? Ah oui, c'est safe. Je pense que mon arme va être rangée, là. Ah voilà, oui, ça me rassure. C'est un endroit sympa, convivial. This is the crazy cock. Le crazy cock existe. Ah, j'ai bien pensé à la même chose. Ça va? Bon ben on va rentrer dans le Crazy Cock. C'est pas par là. Un bon petit Bob Marley là. Mais c'est par où qu'on rentre frérot? Non attendez, on se fout de ma gueule. Non, je suis débile. Je suis débile. J'en ai vraiment marre de moi hein, pour le coup. Salut. 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 Pierre? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Merci pour ce renseignement. Où est-ce que tu vas? Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça ira? C'est bon. Allez, entre.
Eh, il m'a quand même pris pour un chacal, il avait cru que j'avais pas d'argent, eh, c'est quoi ça encore? Avec toute la thune que je me fais. Oh, oh, oh. Vilcommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. Attendez, je joue vraiment là? C'est incroyable. Sachant que je ne sais pas jouer en fait. Je sais absolument pas jouer moi à ce jeu, Ed. Mais je sais pas jouer moi à ce jeu, mais arrêtez les gars, mais j'ai pas été formé pour. On va s'amuser un peu. Je vais suivre. J'ai une dame et un 2 trèfles. Bah je vais suivre. Je suis. Je fais genre hein. Ah ouais, je reconnais, ouais. Check. Vas-y, j'élève. À 6 dollars. Et Ma pourri. Relance. Je vais suivre. Suivi. Si vous connaissez ce jeu, vous check. Devez vous mordre check, les check. Doigts. Tapis. Couché. Je me couche. Ben voilà. Main terminée. Ouais. C'est comme ça qu'on fait. On recommence là? Ok. C'est génial. Attendez, je peux essayer de comprendre le jeu là? Ah oui, d'accord. Probabilité main. Exemple de main. Mais frère, je vais pas apprendre le poker sur Far Cry 3 quand même. Ok. Bah ça me manque. Ouais, je comprends quand même rien. Je vais pas chercher à comprendre là, ça me. Hein? J'ai quoi là? J'ai pareil qu'avant là. C'est quoi ces histoires? Ah! Ça met ici. Bon, cette partie m'emmerde. Terminé pour ce soir. Quoi, déjà? Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors? Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. Moi aussi, j'arrête. On ne rembourse pas. Pas s'énerver, monsieur. Enfin, il y a des. Voilà, il faut rester cool dans la vie quand même. Pour qui est-ce que tu travailles? Willis m'envoie. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien, enfin, je crois. Lars! Lars! Magnifique. Allez! Il est passé où là? Où est-il parti? On s'est posé la même question au même moment. Et avec vous, les viewers, ça fait 3. On était 3 à se poser la même question en même temps. Incroyable. Ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Mercenaires de Hoyt, tiens. Ok. Écoutez l'histoire des mercenaires de Hoyt, militaires du privé au cœur de plomb. Certains sont des transfuges de l'armée, d'autres ont été recrutés dans la rue, mais tous sont décidés à se faire un peu de blé contre votre vie. Ils sont le vrai pouvoir sur cette île, et cette histoire commence à me fatiguer. Pirates de Vas, ça c'est les pirates de Vas, donc là il n'en est plus question. Hein. Enfin c'est les mecs qu'on a butés tout à l'heure. Et les Raikats, c'est chez nous. Donc voilà les différentes tribus, on va dire, si on peut appeler ça des tribus, des factions, voilà. Dans tous les cas, ici, on n'est pas non plus les bienvenus de ouf, quoi. Hein, attention. Attention tout de même. T'étais rapide, toi?
Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis en dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission ? Je dois tuer Hoyt. Scheiße ! Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein ? C'est toi qui as tué Vass. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt ! Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, hein ? Les Autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. À quoi tu penses ? Odoria. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer, c'est l'habit qui fera le moine. Comment ça ? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Mec, c'est trop stylé. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, mais vraiment... Enfin, bon, je trouve ça fou, parce que du coup, je suis à la frontière allemande, je connais. Attendez. Allô ? Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt ? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet. Si tu survis... T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Tu sais, il a décuvé lui. Ouais, mais bref, le gars là avec qui maintenant on coopère, il a vraiment un accent allemand. Il est vraiment d'origine allemande, c'est sûr. Je sais pas c'est qui la voix off. Enfin, la VF en tout cas, mais il a vraiment, ils ont vraiment pris un allemand parce que. Bon, parler allemand c'est pas le problème, hein. Tu peux faire un ach, y a pas de problème, tu peux faire l'accent, mais je veux dire, quand il parlait français, il avait des intonations, j'avais l'impression que c'était ma prof d'allemand au lycée quoi. On va, et ben parfait, en plus l'objectif est en cours là, on va faire ça et ça, d'accord ? On va faire ça, chers amis, c'est par où ? C'est par ici. On va faire la capture de base et le pylône radio, et on va s'en arrêter là. Et ce sera déjà pas mal. Et j'adore ce jeu. Ah ! Non ! J'ai pas mes armes. Eh les gars, on fait prolonger la vidéo, bah oui. Mais est-ce que j'ai une base au moins ? Est-ce que j'ai une base au moins ? C'est ça la vraie question. Oui, j'ai une base. Ouais, c'est bon. Eh oui, parce que si j'ai pas mon arme, on va pas y arriver. C'est pas à l'AK que je vais faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, en plus, je vais pouvoir vendre un petit peu. Voilà. Hop, du coup, mitraillette. C'est terrible, hein, quand même, hein. De devoir faire ça. Ouh, on a débloqué une bison, eh. Oh, la vache. Attendez. Elle fait plus de dégâts. Même précision. Moins bonne cadence de tir, on le sait. Une moins bonne maniabilité. Et il y a la KSV, mais en vrai, c'est la Vector, ouais, c'est ça. Ah, je sais pas. Elle coûte moins cher. Précision, mais elle fait beaucoup moins de dégâts. Non, eh. On va partir là-dessus. Silencieux. Allez. Comme ça, on change d'arme. On va partir sur la PP Bison. Enfin, j'appelle ça la PP Bison, du coup. Le silencieux. Viseur laser ou viseur optique ? On va mettre viseur laser, puisque c'était viseur optique qu'on avait jusqu'à présent, je crois. Je dis peut-être des bêtises. C'est pas grave. Voilà, messieurs, dames. Et les munitions, bien évidemment. Pour être tranquille. Tranquille ! Allez, on s'arrache. Et là, ça va être très sympa, les gars. Ça va être très sympa. J'ai hâte de voir à quoi ressemble l'arme. Approchez-vous prudemment du cénote. On fera ça dans le prochain épisode, vous inquiétez pas. Alors, voyons voir. Oh oui, en plus, il y a plus de munitions. Le viseur, il est parfait. Voilà, ça, c'est le viseur que j'aime.
Avec ça, tu peux pas te foirer. Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est un pylône radio là-bas aussi? Ah non, c'est la tour de Rook Point. Oh, ça a l'air sympa. C'est un phare en fait. Une sorte de phare. On ira voir ça un jour. On ira faire de la chasse à requins là-bas. La chasse aux requins. Et pardonnez-moi, je ne sais plus parler. Les gars, il est 22h26 au moment où je vous parle. J'ai entendu une voix. Ah mais putain. Ah mais il y a des ennemis juste là en fait. Ah mais fallait me le dire. Fallait me le dire. Hop. Même pas le temps de finir sa phrase le pauvre. Ça me fait de la peine. Ouais il est 22h26. Voilà, j'ai passé toute ma journée à geeker sur ce jeu. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu au bout de ma life quoi. Ok, ça change des pirates de vase tout ça hein. Ils ont pas l'air très forts en même temps. Il y a une alarme ici. Il y a qu'une seule alarme. Non, il y en a deux. Très bien. Hop, toi je t'ai. Oh, il y a un mastodonte, fais chier. Bon, j'ai un RPG. Hein. Oui, l'alarme. Oh la vache. Je me suis fait niquer la gueule. J'ai même pas eu l'alarme, si. J'ai même pas eu l'alarme, frérot. J'ai même pas eu l'alarme. Le seum! Je crois pas que je l'ai eu, hein. Ah, si, je l'ai eu. Si, je l'ai eu. Ok, ça valait le coup. Oh, j'ai de la chance. Il faut juste pas qu'il me voie. Le temps que je désactive les alarmes, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je suis pas très serein. Je vais faire des cauchemars cette nuit. Elle est où l'alarme? Je vois plus l'alarme. Elle est où l'alarme? Les gars, elle est où l'alarme? Il y a deux mastodontes, frérot. Il y a deux mastodontes. C'est pas des blagues. Regardez bien. Ça, c'est la maîtrise de l'infiltration. Bon, je sais pas du tout où est l'autre alarme pour le coup. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit. Oh, il y a des renforts, voilà. Voilà, il y a des renforts. Voilà, il y a des renforts, c'est génial. Aïe, 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 aïe. Aïe. Allez, soigne-toi, j'ai plus de seringue. J'ai plus de seringue. Ah bon, je crois qu'on va devoir... J'ai même pas eu le mastodonte. J'ai même pas fumé le mastodonte. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour foirer le mastodonte. Allez, monte là, punaise! Ok, la victoire est géniale. Ouais, la victoire est géniale. Je retire tout ce que j'ai dit. Si, à moyenne distance, ça va. Ok. Bon bref, y'a rien qui va, frérot. Frère, vas-y, c'est abusé. C'est abusé hein. Bon au moins lui il est mort.
Mastodonte, c'est fait. J'ai plus de mun, mais je me concentre. Oh, il y a encore des renforts. C'est pas fini. C'est pas fini, les ennuis. Oh là là, ils sont trop nombreux. Oh bah ouais, c'est abusé. C'est abusé, ça, frérot. Hein. J'espère qu'ils vont pas envoyer de mastodonte. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Bon. Mais est-ce que je dois casser l'alarme ou pas là au cas où? Attendez, regardez bien. Ok, ça avait pas l'air d'être très utile. Sniper. C'est mon seul moyen de survie, hein, le sniper. Yes! J'ai perdu toutes mes munes! Bon, il reste plus que deux ennemis, je crois. Alors, toi, frérot, viens voir. Alors, toi, fais le malin. Voilà. Et alors, toi, mon pote. Hop! Sérieux là? Non, arrête. Mais arrête! Mais il restait plus qu'un gars! Mais c'est trop! Mais c'est trop! Mais sérieusement! Et là, je dois tout recommencer, c'est ça? Genre là, y'a rien qui a été safe? Y'a rien qui a été safe? Non, mais va te faire foutre! Va te faire foutre, en fait! Bon, je vais le refaire, voilà, mais cette fois-ci, je vais détruire les alarmes correctement, je l'espère. Non, va te faire foutre, vraiment, hein. Non, sans déconner, vous avez vu comment on se fout de ma gueule? Non, mais on me pisse dessus! On me pisse dessus, quoi. Bon, bah... Let's go, hein. On va y aller comme ça. Oh là là. Yes. Ça commence bien. Commence bien l'infiltration, si je peux déjà pas aller là-bas. J'y vais au culot, hein. Alarme toute désactivée. Ah ouais, quand tu fais à la main, ça désactive toutes les alarmes. Et au bout du 20ème épisode, je vais comprendre ça. Hein. Bon, du coup, là, je suis tranquille. Donc là, regardez ce qui se passe. Ah. Voilà. 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 Voilà, maintenant je suis énervé. On se fout plus de ma gueule. Ok. Hop, les petites munes. Toi, t'es mort. Voilà. Voilà. Et lui. Viens voir. Ça va être la merde. Allez. Ok. J'ai compris. Voilà. Bon, en fait, vraiment, le problème, c'est les renforts, quoi. À partir du moment où il y a les renforts, t'es mort. Hein. Voilà tout. Bon, bah voilà. Ça s'est fait. Quel enfer. Franchement, pas facile. Mais au moins, on a un petit checkpoint. Et ça, c'est cool. 12 sur 34 avant-postes libérés. Les balules. On reprend les munitions. Et je vous fais un petit peu durer l'épisode pour le plaisir. Hein, surtout après ce qu'on a vécu. On va se faire le pylône radio qui est situé, messieurs, dames, près de l'objectif, juste ici. Il est loin. Hein.
Il est loin, mais on y va quand même. Allons-y gaiement. Eh, on y va en voiture. On y va en voiture, les gars. On n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. Vroom. Oh, punaise, je reconnais, hein. Ouh, je reconnais, hein. Ça, c'est du bon moteur. Ouais, ça va aller 1000 fois plus vite en voiture. T'as vu ça? C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Et voilà, on est déjà arrivé. Eh, faut vraiment prendre plus souvent la voiture, hein. Sans deck, hein. Ah ouais, j'avais oublié, la voiture commençait bien, hein. Let's go. And I want again. Hop là. Ça c'est la classe à Dallas. Je peux pas monter par là, je me suis fait carotte. Je pense que là je peux. Voilà. Formidable. C'est génial. Oh c'est génial. Oh c'est génial. Eh, hey, y'a un cochon qui se roule par terre, c'est trop mignon. Oh c'est trop mims. Oh c'est trop mims. Je prends une photo, j'enverrai ça à mon ex. Enfin, du coup, ma meuf qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais plus comment elle s'appelle. Dans le jeu, je parle, hein. Commencez pas à me prendre la tête. Et je parle pas de mon ex dans la vraie vie. Oh. Pénible, les gens, à tout mal comprendre. Eh, hey, oh. Voilà. Très belle vue, cela dit. Eh, on peut faire péter ça. Attendez. Expérience sociale. Ok, c'est mal fait. Là. Non mais c'est ridicule. Ah, c'est moi qui est ridicule. Attendez. Voilà. Yala. Non, c'est ridicule. Attendez, c'est ridicule. Ah mais non, mais c'est moi, je suis débile. Ok. Oh mon dieu. Non, non, mais là, c'est... il faut arrêter de se foutre de ma gueule. S'il vous plaît, quoi. Non, s'il vous plaît, arrêtez de vous foutre de moi. Ça va très vite m'énerver. Ok. Non, parce que là, dans cet épisode, on me chie à la bouche, hein. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Ah ! Formidable ! À la bonne heure. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si c'est le cas, encore une fois, je vous en remercie. À tous ceux qui lâchent leur petit like, ça me fait trop plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.